planking. Oh yeah. Easy. Good boy. Good boy. Good boy. Good boy. Good boy. C'est pas qu'il fait froid, mais ça va l'aider là, à protéger du froid. Là. On le met sur une couverte comme ça, il va finir de manger. Ça va éviter les engelures potentielles. Là. C'est pas une journée pour ça aujourd'hui. Là. Il fait à peu près 0 degré. Mais quand il fait moins 20, là, c'est bien pratique, cette petite couverte de laine. Là. J'embarque l'oiseau avec sa proie. Avec son lunch dessus pour le protéger, le surélever là, de la neige et de la glace. Souvent au mois de décembre, novembre-décembre, on voit des aigles royaux puis des pigargues à tête blanche en migration, puis ils vont aller se percher. Il y en a qui vont se percher directement sur des grosses branches de pin, comme le pin qui est là. Il va aller se percher directement sur une des branches perpendiculaires au tronc. Il y en a d'autres, par contre, qui vont aller se percher. Attendez que j'en spot un, là. Mettons, comme l'épinette qui est là. Il y a des aigles royaux qui vont se percher carrément sur le top des épinettes. La petite branche au bout de rien qui tient par rien, là. Ils vont aller s'agripper là-dessus. Ils vont se tenir en ballant dans le vent, peut-être le kit. Ça, ça veut dire une chose, hein. C'est que t'as des oiseaux qui sont venus au monde, mettons, en Gaspésie, là, dans le coin de Matane, dans les Chic-Chocs, dans le coin de Sept-Îles, c'est à la Côte-Nord. Et puis, eux autres vont se tenir normalement sur des branches plus grosses, perpendiculaires au tronc. Ceux qui viennent de l'Arctique, c'est eux autres qu'on voit se percher, là, sur des... Ils sont très talentueux. Ils vont se tenir, là, sur des bouts de branches de conifères, là. Ils vont se tenir en ballant là-dessus. Là. C'est facile de les spotter, ceux-là. Tu sais que ça vient de l'Arctique, à ces oiseaux-là. Parce que là-bas, écoutez, dans Taïga, il n'y a pas de gros arbres. Hein? C'est tous des petits arbres. C'est tous des petites épinettes. En 60 ans, poussé à peu près. Fait qu'ils apprennent à se tenir là-dessus quand ils sont jeunes. C'est même qu'on fait la différence des localités ou de l'endroit où l'oiseau, potentiellement, il peut être venu au monde. Puis s'être développé. Il n'y a pas beaucoup de monde qui savent ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui réfléchissent à ça et qui sont capables d'avoir du discernement là-dessus. Je vous le dis, vous êtes chanceux. Vous allez pouvoir aller répéter ça et avoir de l'air du monde intelligent. L'autre chose que je fais lorsque l'aigle est sur sa proie, je vais prendre une corde. Grande corde comme ça. On va l'attacher à ses jets pour le grounder. Fait que ça me permet de circuler ou faire d'autres choses pendant que l'aigle est attaché, il est groundé et il est en train de se nourrir sur sa proie ou sur le vent. Hop. Hop. Hey. Hop.